Je m'appelle Alain Baraton, je suis jardinier en chef du domaine de Trianon, du Grand Parc de Versailles et du domaine de Marly. Et j'ai pour mission de coordonner et de planifier les équipes de jardiniers en charge des sites que je viens d'indiquer. Le domaine dont j'ai la charge est un vaste parc qui est constitué de 850 hectares pour la partie Versailles-Trianon et 50 hectares pour le domaine de Marly. C'est un lieu qui est planté chaque année d'environ 350 000 fleurs, 144 000 légumes, qui est planté de 350 000 arbres, dont 18 500 sont taillés tous les deux ans grâce à des technologies de pointe. Donc c'est un très grand domaine qui occupe très largement le petit groupe de jardiniers, malheureusement trop réduit pour l'entretien du site. Le rôle des jardiniers est d'entretenir, d'embellir et de préparer l'avenir pour les jardins. Alors le rôle d'un jardinier n'est pas seulement de planter des petites fleurs dans des parterres ou dans des massifs, il est surtout de veiller à la bonne conservation du patrimoine végétal et arboré en particulier. Il a pour mission également, on y pense trop peu, à renseigner le public pour les indications à suivre ou une partie de l'histoire du site, voire même lui porter secours. Et puis le jardinier est également l'homme qui va donner à ce domaine son âme. Un jardinier est quelqu'un qui contribue pleinement à la transmission d'un savoir-faire que je qualifierais d'unique. Nous sommes ici dans des serres, lieux de production. Les serres ne sont pas qu'un lieu où l'on va créer de nouvelles variétés de végétaux, semer quantité de petites graines. C'est également un lieu de passation de pouvoir. C'est un lieu où l'on apprend aux générations futures comment doivent être plantées, entretenues, chouchoutées, je dirais, toutes ces plantes qui vont très rapidement orner les allées du parc. Beaucoup de choses ont changé depuis Louis XIV. On a depuis parcouru les océans, découvert des continents et ramené en France des arbres que l'on ne connaissait pas alors. Donc il est évident que sous Louis XV et Louis XVI, quantité de nouvelles essences vont venir orner le domaine. Et puis il y a également les problèmes liés aux maladies. Je pense aux ormes qui ont disparu et qu'il a fallu remplacer par les tilleuls. Donc aujourd'hui, nous ne plantons pas systématiquement les mêmes essences que celles employées sous Louis XIV. Disons simplement que nous tentons de privilégier l'esprit plutôt que la plante en tant que telle. Nous essayons de tenir compte des enseignements passés pour planter au mieux les plantations destinées à orner le parc pour les années à venir. La tempête de 1999, par exemple, nous a révélé que les arbres issus de semis naturels résistaient davantage au vent que les jeunes plants que nous avions nous-mêmes plantés. Nous allons donc privilégier le semis naturel. Il est toujours très difficile pour un jardinier de prévoir le travail à l'avance. Un jardin souffre des aléas climatiques, le vent, les pluies. Donc on doit tenir compte de l'évolution du temps et répartir au mieux en fonction de l'intérêt de l'entretien et des priorités, tournage de films, manifestations, accueil d'une personnalité officielle. Nous devons donc être mobiles et réagir en gardant à l'esprit que la priorité de toutes les priorités est la plante et l'intérêt du végétal.